Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un seul manga, mais de deux, traités en parallèle, Life et GTO. Life est un shoujo de Keiko Suenobu, pré-publié entre 2002 et 2009 dans le magazine Besatsu Friends de l'éditeur Kodansha. En France, le manga est publié par Kurokawa en un total de 20 tomes. Ce manga traite de l'Ijime, c'est l'équivalent du harcèlement scolaire, avec des élèves qui deviennent les boucs émissaires des autres étudiants. L'auteur a été l'objet de ces brimades, donc c'est un thème cher à son cœur. Son expérience est retranscrite dans cet ouvrage, et elle a également étudié plusieurs témoignages de victimes pour étoffer son récit. Ce manga nous raconte le quotidien d'Ayumu Shiba, une étudiante japonaise introvertie qui est victime d'Ijime de la part de ses camarades, menée par Manami Honzai. A cause de cela, mais aussi de la dureté des études japonaises, elle se scarifie et se déteste. Elle rencontre Miki Hattori qui la fascine et elle essayera de devenir amie avec. Nous suivrons sa vie à travers des moments de bonheur et de brimade. De l'autre côté, GTO, les initiales de Great Teacher Onizuka, est un shonen de Toru Fujisawa, pré-publié entre 1997 et 2002, dans le magazine Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha. En France, le manga est publié en 20 volumes par Pika Edition. Il a été adapté en animé de 1999 à 2000 par Fuji Television. C'est la suite de Young GTO, du même auteur, qui raconte la jeunesse du personnage principal de GTO, Eikichi Onizuka. Mais nous n'allons pas en parler, ni des suites de GTO, car elles ne sont pas pertinentes dans mon analyse. Cette œuvre raconte l'histoire d'Eikichi Onizuka, un ancien délinquant japonais qui veut devenir prof au lycée afin de pouvoir sortir avec des lycéennes. Il se retrouvera dans un collège grâce à la directrice Ryoko Sakurai qui a toute confiance en lui, où il essayera d'obtenir le titre de professeur titulaire d'éducation civique coûte que coûte. Onizuka s'occupe de la 3ème 4, ex-4ème 4, qui est la classe la plus turbulente de l'école. Il essaiera de régler les problèmes de chaque élève ainsi que de l'ensemble de l'école. Il sera accompagné de son meilleur ami Danma Ryuji et de sa collègue Asusa Fuyutsuki. On peut déjà constater des points communs comme le lieu de l'action, le contexte de l'école ou encore les problèmes typiques de cet environnement. Mais est-ce qu'un même thème est forcément traité de la même façon dans deux œuvres? Pour commencer, intéressons-nous à la représentation de ce lieu. L'école est représentée comme quelque chose d'à la fois bénéfique et négatif pour tous ses habitants. L'école est toujours sous le contrôle d'un pouvoir politique. Dans Life, c'est le père de Manami Honzai qui a de l'influence dans la ville, ce qui permet à Manami de ne pas avoir de problème quand elle harcèle Ayumu. Dans GTO, c'est un conseil administratif qui décide de certains postes dans l'école, et y infiltre une personne qui instaure un système de points pour élèves et professeurs. En gros, ce n'est pas une institution objective, mais plutôt corrompue. Par exemple, dans Life, une professeure prend la défense d'Ayumu, et comme c'est contre Manami Honzai, l'institutrice est mutée dans un lycée de banlieue, pour lui éviter des problèmes. A l'inverse, il y a aussi des bons côtés, avec des camarades qui deviennent des amis, comme avec Ayumu, ou encore un professeur qui donne envie d'aller à l'école, comme Onizuka. L'école est donc un lieu qui a beaucoup de côtés sombres, mais les quelques aspects positifs essayent de rendre ce lieu meilleur. La dureté de la scolarité est montrée comme une source de problèmes pour les étudiants. Le Japon est un des pays avec la scolarité la plus difficile au monde, que cela soit au niveau des concours ou de l'enseignement. Cela est montré par deux personnages, Ayumu Shiba et Suguru Teshigawara. C'est un prof de mathématiques fou amoureux d'Asusa Fuyutsuki et jaloux d'Onizuka. Au début de l'histoire, Ayumu est une élève médiocre qui obtient de l'aide de sa meilleure amie afin d'aller dans le même lycée prestigieux qu'elle. Elle est acceptée mais pas son amie, qui en l'aidant a vu baisser ses résultats. Ce qui implique qu'elle a rompu son amitié avec Ayumu. Tout cela à cause de la compétitivité des concours d'admission au lycée japonais. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est que ses progrès scolaires sont aussi dus à des automutilations qui la maintiennent éveillée pour pouvoir encore plus réviser. Souffrir pour réussir, qui deviendra souffrir pour exister et survivre face aux persécutions. Réussir est exactement ce qui a omnubilé Teshigawara et l'a emmené vers la folie. Il a tout sacrifié pour être le meilleur. L'amitié, l'amour, la joie. Du coup, il voulait aussi avoir la meilleure, c'est-à-dire Fuyutsuki, qu'il voit comme un ange, une sainte, jusqu'à même la forcer à l'aimer. Ou encore être jaloux d'Onizuka, car il a mieux réussi un concours scolaire que lui, et qu'il est proche d'elle. Donc cette scolarité particulière amène deux cas de figure. Une personne devenue psychologiquement instable, et une personne devenue accro à la douleur à cause de cette pression. Donc, c'est bien une source supplémentaire de problèmes. On va davantage parler de la représentation de la douleur, que cela soit physique ou morale, et comment elle est représentée.
Déjà, la douleur physique est visuellement interprétée par les scarifications et les tentatives de suicide. Les personnages extérieurs à ces pratiques voient souvent cela comme malsain. Dans Life, la mère d'Ayumu et les médias voient cela comme quelque chose d'anormal, une pratique marginale. Leurs auteurs ne sont pas sains d'esprit. Dans GTO, les autres professeurs voient cela comme une mauvaise pub pour l'école, ou encore que cela pourrait la fermer. Donc, ils ne s'occupent pas des élèves en souffrance, mais seulement de leurs intérêts. Les tentatives de suicide sont très présentes dans ces deux mangas, plutôt tragiques pour le shoujo, et montrées de façon réaliste, très froidement. Pour le shonen, c'est quasiment un running gag, avec un élève qui veut se suicider, mais n'y arrive pas, Onizuka veut l'en empêcher, mais il le pousse accidentellement et tombe. Puis le sauve en sautant et en atterrissant sur la voiture de luxe du sous-directeur. C'est assez omniprésent chez les élèves. Les automutilations sont uniquement présentes dans Life, cela est montré comme une aide pour survivre, résister à toutes les pressions. Et même via une métaphore visuelle où on voit une mini Ayumu qui sort de sa blessure. Tout cela pour montrer que cela la libère du stress. Ces mangas nous montrent donc, différemment, une même violence. Maintenant, intéressons-nous à la violence morale représentée par la solitude des personnages. La solitude est une conséquence de la persécution. Cela amène à de la dépression. Dans ces mangas, elle est présente et hante les personnages. Dans GTO, cela est présenté simplement par des groupes de filles qui ne parlent plus à une de leurs amies car elle a raté quelque chose ou alors elle les a trahis. Pour les garçons, c'est montré par des coups ou le fait d'être un otaku, c'est-à-dire grandement s'intéresser aux jeux vidéo et aux mangas, aux cultures populaires, plutôt qu'à la vie réelle où il se fait harceler. Dans Life, cela se voit plus par la mise en scène. Ayumu, quand elle est seule, elle l'est aussi dans les cases. C'est aussi pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de dialogue. De plus, sa famille et l'institution scolaire ne comprennent pas ses souffrances. Cela s'ajoute à sa solitude. Enfin, les autres personnages montrent ce phénomène par leur corps, qui deviennent des silhouettes, pour montrer qu'une personne est morte socialement, ou encore le regard des autres, qui abattent leur jugement sur l'intéressé. La solitude est présente et dangereuse pour les personnages, montrée par la narration et la mise en scène. Maintenant, on va étudier ce qui peut régler ces violences. Miki Hattori et Eikichi Onizuka représentent une aide quasi divine aux élèves ayant des problèmes à l'école. Les premières fois qu'Ayumu voit Hattori, elle est éblouie par sa beauté, la plénitude, le calme qu'elle dégage. Après s'être fait jeter par la bande de Manami et avoir sombré dans la dépression, la seule chose qui l'empêche de se suicider, c'est Hattori. Elle serait une sorte d'ange gardien pour Ayumu, même s'il n'y a aucun pouvoir divin chez elle. Quand elles sont ensemble, il y a une sorte d'aura de bonheur, de joie qui les entoure, qui ressortent d'elle. Dans GTO, Onizuka se rapproche plus du divin. Il règle tous les problèmes du collège, que cela soit les élèves, les professeurs ou encore la direction, une aide très efficace. De plus, il possède une force et une résistance herculéenne qui lui permettent de survivre à de nombreuses épreuves physiques. Ce qui dans le manga est vu par les autres personnages comme une chance énorme, une chance divine, clin d'œil, clin d'œil. Mais dans les deux cas, ces deux personnages restent totalement humains, puisqu'ils ont des problèmes, des envies, des devoirs d'être humain. Comme par exemple Onizuka a des envies sexuelles envers des lycéennes. Mater des seins, des culs, des culottes, des seins, des culottes. Bon, faut que j'arrête de parler de sexualité dans chacune de mes vidéos, sinon ça va se voir que je suis un pervers. Donc finalement, il ne serait pas une métaphore du divin, mais plutôt un exemple d'une aide humaine semblable aux victimes. Une simple aide, un simple dialogue qui peut tout changer. Les émotions constituent le moyen narratif préféré de ces mangas. Premièrement, la mise en scène. Via un jeu de lumière, de couleurs, on nous transmet les émotions des personnages, ainsi que leur rapport de force, d'une situation, d'un conflit. De plus, des expressions faciales très exagérées sont intégrées comme outils supplémentaires au dialogue, pour mieux les comprendre. Par exemple, Manami peut faire des grimaces machiavéliques qui montrent toute sa cruauté, ou encore Onizuka qui se fait réprimander par le sous-directeur et exécute des grimaces pour signifier qu'il s'en fiche ou qu'il appréhende la punition. Ils accentuent le jeu d'acteur pour mieux le faire comprendre. Ensuite, le sourire peut à la fois donner de l'espoir comme détruire une personne. Cela peut être un sourire malicieux pour taquiner une camarade, ou encore plus malsain quand c'est pour piéger quelqu'un, le blesser. A l'inverse, des personnes gentilles ou aidant les élèves qui le font provoquent un effet contraire, libérateur, rassurant envers les victimes. Le fait même de sourire est une forme de résistance aux persécutions. Donc les émotions sont une forme de second dialogue qui vient sublimer le premier. Dans ces deux mangas, les dialogues sont très importants, mais ils sont représentés de manière opposée.
Dans le shoujo, il n'y a pas beaucoup de dialogue. On comprend surtout les actions, les scènes, grâce au visuel, notamment par un jeu de regard, ici, omniprésent, qui juge et fait comprendre les véritables intentions des personnages. Tout ce qui est dit est d'autant plus important par sa présence minime, surtout quand cela a pour but de blesser son interlocuteur. Il suffit d'un visage qui se fige et d'une bulle de dialogue entourée de noir pour comprendre la situation et l'impact qu'elle a. De plus, les violences morales se mélangent aux violences physiques qui font se noyer les victimes dans la dépression. D'un autre côté, GTO utilise le dialogue comme un élément graphique comme les autres, tant il est présent. Comme ce manga a des personnages qui débattent, il est normal qu'il y ait beaucoup de bulles de dialogue, surtout quand c'est pour montrer qu'une personne insiste lourdement pour faire véhiculer ses idées. Par exemple, cela arrive souvent avec le sous-directeur qui engueule Onizuka, ou encore avec son ami flic qui lui montre un dialogue mais seulement son ami parle. Onizuka reste muet pendant tout le chapitre, mais on comprend quand même parfaitement la situation. Pour résumer, le nombre de bulles de dialogue dépend surtout du point de vue du récit, car ces deux œuvres sont principalement du point de vue de leur personnage principal. Ayumu est très solitaire, renfermé, timide, donc c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de dialogue, et inversement pour Onizuka. Du coup, le point de vue de la narration est important dans ces deux mangas, notamment avec les dialogues, mais cela modifie le message et la manière de l'aborder. Du point de vue d'Ayumu, on vit ses souffrances, sa dépression, c'est une victime, alors qu'Onizuka a un regard plus externe, il serait comme un médiateur qui règle le problème de tout le monde. Un peu comme Pascal le grand frère, mais en plus hardcore. L'une est impuissante face à l'institution scolaire et au pouvoir politique, et l'autre devrait être pareil, mais il arrive à lutter à sa façon contre ce système oppressif. Donc ces mangas représentent deux aspects du même combat, un plutôt positif et un négatif, l'un du point de vue de l'élève qui subit des brimades, et l'autre du professeur qui doit régler cela. Finalement, ces deux œuvres sont deux façons différentes de montrer l'école, mais toujours dans le même but, dénoncer le système scolaire. Pour conclure, ces deux mangas nous parlent du même thème, l'école. On nous montre des aspects positifs comme négatifs du point de vue de l'élève et du professeur. Deux éléments qui se complètent, tout cela en ayant une mise en scène qui nous montre tous les aspects des brimades que subissent les élèves. Également, on nous illustre ce qui peut les sauver comme les perdre. Une aide comme une persécution. Même si le nombre de points communs est élevé entre ces deux mangas, ils sont différents car ils abordent l'école de deux manières opposées. Un qui subit et un qui sauve. Un comique et un tragique. Un réaliste et un plus fantasque. Il nous montre l'école et son environnement sous des angles différents, en ayant un message final qui nous touche en tant qu'élèves ou anciens élèves. Donc voilà, l'analyse est terminée. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à suivre la page Facebook, mettez des commentaires constructifs, que cela soit positif ou négatif. Allez, à une prochaine fois, et lisez des mangas!